Ce que tu as montré. Bon, alors je vous ai apporté, entre autres, le rapport des frais de l'AMA du dernier mois. Vous permettez? Alors, attendez. Voilà, j'ai fait tout mon possible pour réduire les coûts au maximum, mais on a eu beaucoup de dépenses, de grosses dépenses. Ça va des frais d'aménagement aux expositions, en passant par les salaires des professeurs. Que des dépenses. Et oui, mais... les dépenses sont nécessaires. Je veux faire en sorte que l'AMA devienne une référence dans son domaine, et pour cela, nous sommes obligés d'y mettre les moyens. Je comprends. Marcia et Olivia le pensent aussi. Mais vous, vous le verrez par vous-même que les résultats ne sont pas si mauvais. Malgré les dépenses, nous avons un solde positif. C'est une bonne chose. L'AMA a fait du profit, malgré tout. Bien sûr, pas autant que les mois précédents, mais nous avons une plus-value. Greg, j'aimerais que tu me présentes un compte-rendu plus détaillé. Je voudrais bien savoir comment ont été réparties les dépenses. Bon, eh bien... je vous ai fait un bilan... simplifié pour vous faciliter les choses. Je ne pensais pas que vous auriez voulu perdre votre temps avec tous ces chiffres ennuyeux. Je n'ai aucune raison de ne pas vouloir perdre mon temps. J'ai tout le temps du monde. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Ok, super. La prochaine fois, je voudrais que tu me ramènes un compte-rendu plus complet, plus détaillé. Entendu. Bien sûr, si vous préférez, je ferai ça. Faire les comptes, c'est très bon pour la mémoire. Tu comprendras quand tu auras mon âge. Faire les comptes... et jouer aux échecs. Mais au-delà de ça, profite du fait que je revienne de la ferme où j'ai pu prendre du recul, où j'ai pu me vider la tête. Je suis donc en forme pour travailler. Alors n'hésite surtout pas, vas-y. Ok, magnifique. Bon, alors, j'ai ici plusieurs documents à vous faire signer, des papiers divers concernant l'AMA. Et j'ai aussi une procuration qu'il faudrait me signer, monsieur. Voilà. Ce n'est que de la paperasse, tout ça, ce n'est pas très, très important. Bien, tu as un stylo à me prêter? Oui, bien sûr. Tenez. Allez-y, commencez par la procuration. Ah oui. Un second exemplaire. Un autre exemplaire. Parce que c'est pas fini, encore un autre exemplaire, mais qu'est-ce qu'il faudrait aussi paraffer en bas. Un de mes amis m'a raconté que le cousin de son oncle avait eu la même opération que toi. Et aujourd'hui, il va super bien. Il s'est rétabli rapidement et sans aucune séquelle. Bélita, je me moque éperdument des problèmes de votre ami. Mais c'est le cousin de l'oncle de mon ami. Je sais pourquoi tu réagis comme ça. En ce moment... tu passes par une étape très difficile de ta vie. Et tu ne penses qu'à toi et tu n'en as rien à faire des autres, hein? Eh bien, je ne pense qu'à marcher. Et j'en ai rien à faire de tout le reste, c'est vrai. Mais il faut que tu sois patient, Renato. Aie la foi. Et dis-toi que tu as la chance d'avoir une famille qui est là pour t'épauler. Une superbe famille qui s'agrandit encore. Renato, dans un moment pareil, ce qui compte le plus, c'est ça. Et je suis certaine que Livia saura t'aider à trouver le courage dont tu vas avoir besoin pour surmonter cette terrible épreuve. J'espère bien, parce que c'est de sa faute tout ça. Non, ne dis pas ça, Renato. Tiens, mon amour, il y a le journal d'aujourd'hui et ton magazine aussi. Bon, moi, faut que j'y aille.
Je vais chez mon thérapeute et ensuite chez yoga. Tu viens ou pas? Oui, mais il est trop tôt pour y aller. Je sais qu'en ce moment, les choses sont difficiles pour toi. Je comprends que tu sois de mauvaise humeur. Je comprends tout. Ton besoin d'être tout seul aussi. Tout. Maintenant, sache que je suis là pour toi. Tu peux compter sur moi pour ce que tu veux, parce que je fais partie de ta famille. D'accord, Bélita. Je te remercie pour ta compréhension. Mais je n'ai pas besoin de ta pitié. Renato, personne n'a pitié de toi ici. Tu as un vrai caractère de cochon. Tu es vraiment incroyable. Ciao. Allez. Tu viens, Olivia? Salut, mon amour. Oh, t'es trop mignonne sur cette photo. Et oui, c'est la jolie Isabelle qui se retrouve en première page du journal. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je fasse la une pour ça. Et pourtant, c'est le cas, mon ami. C'est toute la reconnaissance que tu mérites. Tu crois vraiment? Bien sûr. J'échangerais bien ça contre un peu de calme. Aïe, aïe, aïe. Oh, je ne veux pas voir cette tête. Je veux que tu essaies de faire un effort pour aujourd'hui, ou mieux encore, pour cette grande soirée qui t'attend. Grande soirée? Mm-hmm. Quand je pense à tout ce qui s'est passé, Simone, entre Renato en fauteuil roulant et Olivia qui est enceinte, franchement, cette exposition ne veut plus dire grand-chose pour moi. J'ai tellement rêvé de cette soirée, mais dans mon rêve, c'était différent. Je rêvais que Renato était avec moi. Je l'imaginais se plaignant sans arrêt. Je le voyais dire du mal de mon travail, mais en même temps, faire d'envie, tu vois. Ça aurait été une victoire. Mais maintenant, avec lui, dans cet état, ça n'a pas la même saveur. Mais quand même, tu ne peux pas nier que votre situation a évolué. Vous vous êtes embrassés. C'était un baiser inévitable. Ne pense pas à ça maintenant, va. Ça ne vaut pas le coup, tu sais. Oh, je le déteste tellement que je serais capable de l'aimer toute ma vie. Oh. Tu sais ce que je me suis dit l'autre jour, Simone? C'est horrible. Je me suis dit qu'il allait rester dans sa chaise roulante toute sa vie et que Olivia ne le supporterait pas, donc qu'elle le quitterait. Malgré qu'elle soit enceinte. Et après, il se serait mis avec moi. C'est de la folie, ma belle. Oui, je sais.